Yo tout le monde, c'est Roger Saint-Lambert, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Aéroport CEO. Donc on va apprendre à jouer et c'est parti. Alors on va me mettre en Miguel Sola. Voilà. Voilà. Hop, hop. Voilà, continuez. On va s'implanter. Voilà. Ok. Non, c'est l'est. Et en dessous, c'est du coup LES. Ça aime bien ça. Pas bac à sable, pas de changement mode management. On a parti, c'est parti. Bienvenue dans le terrain de votre aéroport. Est-ce que c'est votre premier jour de travail? Alors parcourons ensemble cette courte introduction. Donc commencez. Voici le panneau de construction. Vous pouvez trouver tout ce qui concerne la structure et les objets de l'aéroport. Certains ne sont pas encore disponibles et doivent être débloqués depuis le panneau approvisionnement. Ceci est le tableau de gestion, raccourci TAB. C'est le tableau le plus important, couvrant tous les besoins d'un PDG. Sur le premier onglet est le tableau de bord, une vue générale de votre situation actuelle de votre aéroport. Donc on clique sur le tableau de bord. L'onglet économie. Vous pouvez voir votre budget, accepter des contrats et commander de nouveaux produits et prendre un prêt. L'onglet opération vous permet d'activer et désactiver les services de l'aéroport, d'ouvrir l'aéroport et d'autoriser l'aviation générale à utiliser votre aéroport. Depuis l'onglet construction, vous pouvez déployer des travailleurs pour vous aider à construire votre aéroport. À droite, se situe le panneau d'évaluation. De l'aéroport. Ceci est une indication de la performance de votre aéroport. Survolez les icônes pour savoir ce qui est à quoi correspond chaque note. Vous avez reçu un nouveau email du maire. Cliquez sur le bouton email pour le lire. Rappel, tab B pour ouvrir le panneau management. Familiarisez-vous avec ces différents éléments. Vue d'ensemble de la boîte de réception. Bienvenue dans votre aéroport. Merci pour notre dernière réunion. J'espère que vous aimez votre nouveau travail. Est-ce que c'est pas beaucoup le moment? Ce n'est pas beaucoup pour le moment. Mais j'espère que vous ferez mieux que la dernière personne qui a essayé de construire le fier aéroport de notre ville. Vous avez beaucoup de travail devant vous. Alors, que feriez-vous de vous y mettre? Je ne peux pas vous donner de conseils car je ne sais pas vraiment comment gérer un aéroport. Mais laissez-moi vous rappeler que vous avez un budget à respecter et que nous comptons sur vous pour que cet endroit fasse des bénéfices. Bonne chance à vous et à bientôt. Voici les principales choses que vous devez vous avez besoin de savoir. Table pour accéder au menu de gestion. Ici, vous voyez un OK. Et H pour accéder au tutoriel. Bonne chance à vous. OK. Appuyez sur F ou le bouton situé à gauche pour ouvrir le planifieur de vol. Une fois que vous aurez assigné votre premier contrat avec une compagnie aérienne et construit un aéroport convertant des vols commerciaux, c'est ici que vous devrez le planifier. Bien joué! Il y a tellement de choses à apprendre par toi-même à partir de maintenant. Appuyez sur H ou point d'interrogation pour le panneau inférieur gauche. Tu auras accès à la fenêtre du tutoriel si jamais tu as besoin de l'aide.
Voici l'étape du tutoriel actuel et la checklist. Les arrêts réponses sont des mégastructures complexes, donc il est mieux de commencer par un petit aéroport afin d'apprendre les bases et la gestion. Rappelez-vous que vous pouvez consulter la liste des tâches à tout moment afin de vous assurer d'avoir effectué les tâches actives. Au besoin, vous pouvez trouver un tutoriel détaillé dans le panneau de gestion. Bonne chance! Alors, on doit appuyer donc dans Tab, dans Économie, dans Contrat, et l'un des deux. Alors, vous allez dans Opération. Dans là. Ok. Pour ce que les matériaux sont totalement commandés, il y aurait sur votre site. Voilà. Il est temps de vous salir les mains. Commençons par construire l'aéroport afin de recevoir les premiers vols AG, donc aviation générale. L'image ci-dessous est un exemple de conception d'un aéroport adapté à une exploitation en général. Alors, on doit aller ici et ici. Ok, on doit ici, ici. Donc ici et ici. De l'asphalte. Pas d'asphalte. Hop, voilà, on construit ça là, en asphalte. Une voie de circulation. Hop, on fait ça. Voilà. Placer des thermiques. Ah, placer des thermiques. Attendez la fin de la construction des fondations, les voies de circulation, puis connecter toutes les aires de stationnement aux rampes d'accès. Voilà, ça accélère. Voilà, ça finit. Alors, et du coup, ils nous disent, enfin,
Attendez la fin de la construction. Puis connecter toutes les aires de stationnement aux rampes d'accès. Donc en gros, j'ai bien compris. On fait ça. Placer une petite tour de contrôle. Ok, ici. Et attendez que tous les bâtiments se construisent. Maintenant, il est temps d'accepter votre premier vol. Pour le moment, nous ne pouvons pas accepter les invasions générales. Un petit aéronef exploité par des pilotes privés. Car nous avons encore construit, le terminal. Alors, nous allons aller dans... Du coup, sac, opération, ouvrir à l'aéroport. Autoriser l'invasion générale. Ouvrez la piste en faisant un clic gauche. Attendez que 5 avions atterrissent pendant qu'il fait jour. Ah d'accord, je crois que j'ai fait une bêtise. Pas sûr, mais je crois que j'ai fait une bêtise. Thank you.
Ouais, j'ai fait une bêtise. Hop, démolir. Avec la petite bêtise, je crois que... Elle accélère. C'est voie de circulation. Les voies de circulation, si vous voulez, ils sont pas assez écartés. Allez, oui, nickel. Voilà. Ça va aller mieux. Voilà. Il va remettre une tour de contrôle. Et là, du coup, qu'est-ce qui cloche encore? D'accord, elle est connectée. D'accord. Oui, ça va mieux, effectivement, ça va mieux. Et les trois. Et on va finir. On finit la petite checklist et on est good.